là très gentille. Bête mordante des draps très blancs, passe le biber d'Ironie. Narcisse et Hubert le Merlan, près d'elle faisaient leur manie. Et la crâneuse de Clichy, aux rouges yeux de dégueulade, répète mon nom de Vichy. Va dans le panier à salade, ah ah, sans faire de chichi. Les yeux dansant comme des anges, elle riait, les yeux très bleus, les dents très blanches. Si vous saviez, si vous saviez tout ce que nous ferons dimanche. On s'en ira au cinéma. Les artistes que sont-ce donc? Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts. Ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes, ce sont les acteurs et les actrices. Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma. Nous dirions le ciné. Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné, ni cinéma, un cinématographe. Oh, si mon Dieu, faut-il avoir du goût? À Strasbourg en 1904, j'arrivais pour le lundi gras. L'hôtel m'assit devant l'âtre, près d'un chanteur de l'opéra qui ne parlait que de théâtre. La kellerine rousse avait mis sur sa tête un chapeau rose, comme Aimé, qui les yeux servait, n'en eut jamais pour belle chose. Carnaval, chapeau rose, avait à Romanis et à Cologne, dans les fleurs et les confettis. Carnaval, j'ai revu ta trogne, au roi plus riche et plus gentil que Crésus, Rothschild et Tarogne. Je soupais d'un peu de foie gras, de chevreuil tendre à la compote, de tarte, flan, etc., un peu de kirsch pour la bigote. Que n'attavais-je entre eux?